Allez, on reprend Horizon Zero Dawn. C'est parti. Moi, j'aurais peut-être dû laisser les shaders s'optimiser un peu plus. Ça va être long. Moi, j'ai même demandé s'il avait pas planté le jeu, parce qu'elle a... Alors, j'en étais où? Je cherchais les cristaux, il me semble. Parce que j'ai l'arc. Et je voulais l'armure. Mais pour ça... C'est celle-là que je veux et il en manque 3. Donc, les trois. Bon, bon. On va pas être gourmand. Déplacement. Ah, c'est vrai, merde. Faut marcher. Ou faut chasser. Bon, on va chasser. Ce sera plus simple. Non, c'est pas un lapin ça.
juste chasser, prendre un truc de téléport et... Voilà, j'en ai deux, comme ça. Ceux qui étaient plus groupés, ils sont déjà pris, donc on va pas s'embêter. Je mangerai ça plus tard. Je sais pirater les dentiers, si tu peux m'en approcher. Voilà, donc il en manque plus qu'un. Il en manque plus qu'un. On va aller là-bas.
s'il m'a vu. Ça m'aidera. Voilà. Oh, c'est ça. Quand même pas, on va pas y récupérer que pendant la... Non. Ils auraient pas fait ça. J'ai du cristal bleu. Autant l'échanger. Là-bas, d'accord, donc non, il n'y a pas besoin de faire l'épreuve pour le récupérer. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à aller vers un marchand. Et mon marchand préféré, il est là, parce qu'il est juste à côté du téléport. On va déjà mettre ça, ce serait déjà bien.
fait sauter pour passer cette porte. Allez, on va faire le barrage, comme ça. Vous allez voir, c'est un vrai brutil, Gugus. Inondation détectée, évacuation recommandée. Bassin débordant, compromis. Le bassin débordant, ce serait le refus. Bon. On dirait une salle des commandes. Qu'est-ce qui a pu causer l'arrivée de l'entour de prise d'eau défectueuse? Système de drainage, on dirait qu'une grande partie de l'édifice a été engloutie. Comment c'est arrivé? C'est quand un abruti bidouille un barrage. Le code de verrouillage. Pratique. Ces câbles doivent mener à la source d'alimentation. Ça va? Tu n'imagines pas à quel point tu me rends heureux. À un moment, j'ai cru que mon feu était éteint. Ma forge refroidit. Mais non, non. Ah, ce vieux guignol. Légèrement à l'effondrement du pont. Dans le pont, quel con. J'ai peut-être balancé sous la précipitation le mystérieux machin rond dans la flotte. Le temps que j'envisage de laisser tomber, la porte s'était fermée derrière moi. Et voilà comment nous en sommes venus à cet instant. Bon, il faut trouver cet anneau pour ouvrir la salle de stockage. Puis je pourrai réparer le panneau et tout couper. Ok, Gildun. Comment on va trouver l'anneau?
Merde. Ouais, oh. Vers le contrepoids d'où je suis. Je pourrais grimper plus haut, passer au-dessus.
avez avalé la nôtre. La perspicacité du vieux Gildoun a encore frappé. Elle ne m'a jamais fait. Bien sûr, elle emprunte parfois des sentiers tortueux. Peu importe, à la salle de stockage. Oh putain! Évacuer assez d'eau pour ce qu'on a à faire, mais est-ce que je peux vider tout le barrage? Des tuyaux, des valves. Je peux peut-être m'en servir pour vider le reste de l'eau. Ça fait beaucoup de valves. Je devrais consulter mon focus. Mon focus trouvera peut-être. Très bien. Il est temps de réorienter le cours d'eau dans le bon sens. J'ai beau être amateur de mécanismes tordus, mais là, franchement, je crois que ça dépasse largement mes compétences. T'en fais pas, je crois que j'ai compris. Ah, la bonne nouvelle! À chaque tâche, son outil. On ne fait pas des flèches avec des cure-dents, comme on dit chez nous. Ouais, il y a un hic là. Et pas piquer des hannetons, fils. T'es tout en nuance et en finesse. Pas comme moi, c'est sûr. Pas ce vieux Gildoun. Il y a un truc qui cloche. Voilà, on se rapproche. Cette tâche demande une certaine patience, papa. Ah, ça avance, ça va là-bas. C'est cassé, donc faut que ça aille jusque là-bas. Donc déjà, voilà, là, donc faut que ça arrive, voilà, et donc là, faut que ça arrive de là, faut que ça vienne de là-bas. Donc ça veut dire que là. Non, c'est pas ça. Je suis sur la bonne voie, on dirait. Là-bas, ok. Je te juge pas. Là, là. On est arrivé de passer une demi-journée sur un casse-tête carja. J'y arrive. Là, là-bas, on continue comme ça. Là-bas, allez, voilà, et... Ça voilà. Enfin. Il n'est pas encore né le casse-tête qui saura devenir pas vrai. C'est ouvert. Elle a dû se bloquer à cause de l'inondation.
passage mène à une autre salle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Remonter. C'était pas ce qui était prévu, mais bon.
chose. Je vais le voir. Là, derrière la vitre. C'était... Bien sûr. Juste un reflet. Une illusion. Navré, Gildon. Il comptait beaucoup pour toi. Oh, ben... Tant que n'importe quel autre artefact des anciens, faut bien le dire. Ça va, je vais bien. Et c'est quoi un trésor par rapport à la fouille? Après tout, c'est pour ça qu'on bosse, Miss. La fouille, pas le trésor. Et quelle fouille c'était! Par la grande forge ardente, je ne l'oublierai jamais. Allez, je crois qu'on a des réparations à faire. Tu vas faire? Tu retournes dans la requête? Et priver les gens de la cible du champ de l'histoire de cette rencontre? Aucune chance! Je vais rester encore un peu. Mais une histoire doit être racontée par tous ces acteurs. Viens me donner un coup de main. Bassin de débordement vide. Partie interne accessible. Alors, dégâts des eaux minimes. On dirait que le bassin s'est vidé aussi. Je pourrais l'examiner. Une nouvelle aventure, déjà ? Oula, j'ai chaud moi. Voilà, donc l'autre elle recommence à taper sur ses tuyaux. Et d'après le bruit que j'entends, Lola il se trouve déjà au raffut.
Voilà, on sauvegarde comme ça. Oh putain, ils sont revenus. Aucun endroit avec cette résonance, cette acoustique et cette puissance à vous faire vibrer. Et bien sûr, personne ne connaît ces conduits aussi bien que moi. Je les ai appris à l'oreille avant de savoir marcher, collé à mon père. Merci d'avoir fait baisser l'eau, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes ancêtres et leurs chants. Tiens, prends ça, un gage de notre reconnaissance.
Bon, bah voilà, on va avoir débarrassé le lac, enfin le barrage des crocos. On va les sauvegarder. Ça fera un bon petit live pour le vendredi soir. Bon, bah, j'arrête là pour le moment. Je dis à plus tard. Salut!